Je vous propose de prendre la toute dernière partie de cette séance. Après avoir donc visité le Japon sur les pas de Khatibi, nous revenons au Maghreb. Et Raja Ben Slama, qui est professeur de littérature et de civilisation arabe à l'université de la Manouba, et directrice de la Bibliothèque nationale à Tunis, ce qui est une lourde et prenante charge. Donc Raja va nous parler de la réception de Khatibi en Tunisie et dans le monde arabe plus généralement. Merci. En fait, je parlerai de la bibliographie de Khatibi. J'aurais besoin d'un micro baladeur. Alors, je crois qu'il y en a un, puisque quand on laisse la parole à l'assistance, il y en a un qui... Je vais donner des chiffres. Où est-il ? Très terre à terre. Ah, pardon. Pourquoi ? Parce que je serai obligée de commenter. J'ai pas de texte à lire. Alors, je vais juste commenter les diapositives. Donc j'aurais besoin. Il faut que vous, Madame la Présidente, oui, vous déplaciez. Je vais le faire. Oui. Et qu'est-ce que je fais après ? Vous aussi. Mais je me fais noyauter. Pour que vous. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Et un micro. Ah, c'est pour regarder les. Oui, parce que pour vous. Oui, bien sûr. Alors, au fait, le titre que j'oserais vous proposer est le suivant. La pesée bibliographique et électronique de Khatibi. Voilà. Donc, la place de Khatibi dans la culture arabophone à partir de ses œuvres, de la traduction de ses œuvres et de données bibliographiques. Alors, après 50 ans, il a commencé à écrire depuis 50 ans, en 67, dans les années 67. Après plusieurs prix et consacrations, une grande... Il était célèbre partout, etc. Et après 10 années de sa mort, est-ce que, à quel point nous l'avons lu, traduit, enseigné, édité, compris ? Voilà ma question. C'est le troisième. Alors, comment j'ai procédé ? Je me suis référée à la bibliographie éditée par la fondation marocaine Abdelaziz Saoud et qui date de mars 2019. Donc je me suis référée à la bibliographie la plus récente, la plus complète. Mais pas seulement parce que à cette bibliographie manquaient quelques titres anciens que j'ai trouvés dans la Bibliothèque nationale tunisienne. Je me suis référée aussi à la bibliographie, aux bibliographies qui concernent ses contemporains, c'est-à-dire en arabe on dit Moujéilou, ceux qui appartiennent à la même génération que lui, c'est-à-dire j'ai décidé que cette génération, enfin j'ai pris les années 30 comme repère. J'ai considéré que tous ceux qui sont nés dans les années 30 représentent une même génération. Et je me suis référée aussi, j'ai compté le nombre d'entrées concernant Khatibi et ses contemporains dans les catalogues des grandes bibliothèques nationales et dans le catalogue arabe qu'on appelle le catalogue arabe unifié. C'est un catalogue, ce n'est pas une bibliothèque, mais il est très important. Et j'ai compté aussi le nombre de vidéos concernant Khatibi et ses contemporains dans la plateforme YouTube et le nombre de
d'entrer concernant le concernant et concernant ses contemporains dans la plateforme Cairn, c'est-à-dire dans les ressources électroniques, vidéo, audiovisuelles et les ressources électroniques qui concernent la recherche. Et je pense que c'est très important, les ressources, ce qu'on appelle, il y a les documents classiques en papier, mais il y a les documents qui sont en ligne et qu'on appelle ressources électroniques. Et je pense que qu'il est temps de construire, de mettre en place des politiques qui concernent les ressources électroniques parce que nos jeunes utilisent ces ressources-là. Ils lisent de moins en moins, alors que, et vous allez voir, il y aura des surprises. Vous allez découvrir la nature, la configuration, en quelque sorte, de la culture arabophone. Oui, à la fin, je vais comparer les Khatibi et ses contemporains aux acteurs religieux, c'est-à-dire les prédicateurs qui se trouvent sur Internet. J'ai compté le nombre de vidéos, le nombre de ressources qui concernent les intellectuels et le nombre de ressources qui concernent les acteurs religieux. Alors, maintenant, une statistique qui concerne les œuvres de Khatibi. Khatibi, d'après mon investigation et celle de Abdelaziz El Saoud, a produit 36 livres, œuvres. Il est co-auteur de 16 livres. Il est préfacier de 11 livres. Il a écrit, et on compte 97 articles et entretiens de lui. Et il a en plus 12 livres traduits, seulement 12 livres traduits vers l'arabe, et dont deux qui sont traduits directement, on ne trouve pas le texte français. Le camembert qui illustre ces données. Vous voyez que c'est une œuvre colossale, c'est énorme. Alors là, ce n'est pas très important, mais vous voyez que la partie bleue concerne les livres traduits vers l'arabe, et vous voyez que c'est un morceau pas très consistant. Là, c'est un tableau synoptique, ça c'est ma cuisine interne, où j'ai compté toutes ces œuvres et toutes les données bibliographiques qui concernent ces écrits. Vous voulez lire ? Non. Là, Madame la Présidente a dit non. Et là, il s'agit de ces œuvres classées selon le genre. Pas le genre homme-femme, masculin-féminin, mais le genre littéraire. Alors, et il a écrit 24 essais, 7 romans, 5 recueils de poésie, une pièce de théâtre. Et voilà, dans le camembert, la plus grande part revient à l'essai. Alors, pourquoi j'ai choisi le terme d'essai ? Parce que lui-même, il parle d'essai à propos de plusieurs de ses livres, et parce que l'œuvre de Khatibi appartient à un régime de vérité qui est différent, ça a été dit ce matin, différent du régime du rationalisme classique. C'est-à-dire, on va le revoir par la suite en le comparant à ses contemporains, Khatibi,
adhère à une représentation du savoir qui se fonde sur l'inadéquation à soi, le clivage du sujet, l'opacité du langage qui n'est pas une représentation, une simple représentation des choses, une philosophie de la différence. Voilà. Alors, là, il s'agit d'une courbe qui montre sa production littéraire et intellectuelle à travers le temps. Vous voyez qu'il n'a pas... Il a parlé du silence, mais il ne s'est pas tu. Et que son œuvre a évolué jusqu'à sa mort. C'est une... Oui, la courbe est ascendante. Oui, alors, les lieux... les lieux d'édition pour ces livres, la France 23, le Maroc 14, les États-Unis. Ce schéma montre bien sa condition de maghrébin francophone. Maintenant, il s'agit de la traduction vers l'arabe. Je précise bien qu'il s'agit de la langue arabe et non pas de sa place dans la culture arabophone. Voilà. Donc, Khatib a écrit en tout 38. 38, 36. Je dois préciser par la suite ces chiffres. 12 seulement ont été traduits. Et si on regarde, la courbe qui concerne la traduction progressive de ces œuvres, on découvre que la dernière traduction faite de ces œuvres, de ces livres, hein, je ne parle pas des articles, date de 2003. C'est-à-dire que nous avons cessé de le traduire depuis 2003. Vers là. Depuis 2003, il n'y a pas... Aucune traduction arabe n'a été publiée. On a compté Farid Zahi. Farid Zahi, c'est avant 2003. Oui. Oui. Il est décédé en 2009. Je ne sais pas. Moi, je présente ces faits. Par la suite, on ouvrira le débat pour essayer d'expliquer ces données. Là, il s'agit d'un tableau synoptique des ouvrages qui ont été écrits sur Khatib, en arabe et en français. Essentiel, en anglais aussi, parce que la bibliographie de Mohamed Janja, compte de la fondation, elle est trilingue. Maqalet, j'ai pas eu le temps de faire la recension des maqalet, franchement. Vous allez voir que le nombre de femmes est consistant. Pardon. Alors, là, c'est un classement par langue. Les langues des livres qui ont été écrites sur Khatib. 14 livres en arabe, 30 en français, 4 en anglais. Et voilà le camembert. Et toujours le morceau. Le morceau de la traduction arabe et des travaux arabes est toujours très réduit. Ah non.
Alors, l'approche genre, elle s'impose, même pour une bibliographie, et surtout pour une bibliographie. J'ai compté le nombre d'hommes et de femmes et de groupes qui ont écrit sur Hatib. Il y a 10 groupes, c'est-à-dire des ouvrages collectifs, 28 hommes et 10 femmes. Le nombre de 10 femmes est considérable comparé au nombre de femmes qui ont écrit, qui se sont intéressées à ces contemporains. Je n'ai pas eu le temps de vous présenter, mais j'ai fait une comparaison rapide avec ce comparaison. Donc, il y a un intérêt particulier. Oui, les femmes manifestent un intérêt manifeste envers Hatib. Il a touché quelque chose du négatif, du féminin, de la jouissance autre, comme ne pas parler le jargon psychanalytique. Il y a quelque chose, c'est-à-dire, ce n'est pas une, c'est une écriture fragmentaire, travaillée par le négatif et le féminin. Lélo, non. Excusez-moi. Oui. Ah, le genre de livre. Alors, là, je me suis intéressée aux livres, aux monographies consacrées à Hatib uniquement et aux livres qui concernent Hatib et d'autres. Par exemple, Hatib et Essia Jabbar, etc. Hatib et Idriss Raibi, etc. Beaucoup, beaucoup d'ouvrages concernent Hatib et d'autres. Surtout d'autres auteurs maghrébins. C'est une constante. Alors, on découvre que les monographies sont de l'ordre de 25. Il y a seulement 25 monographies qui concernent Hatibi et 48 qui concernent Hatibi et d'autres romanciers ou bien d'autres penseurs ou bien, et surtout maghrébins. Les lieux d'édition des livres, des ouvrages écrits sur Hatib. Qu'est-ce qu'on trouve? Tout d'abord le Maroc, 23, la France, 12, l'Allemagne, 2, les États-Unis, 4, bravo, la Grande-Bretagne, 1, la Belgique, 1, la Tunisie, 2. Et en Tunisie, j'ai remarqué, j'ai fait une recherche sur la plateforme universitaire, il y a des thèses qui se préparent, en cours de préparation. La Syrie, 1, le Liban, 1, l'Algérie, 1. Voilà. Alors, là, je passe à la comparaison. Alors, j'ai comparé Hatibi et d'autres, des contemporains qui sont nés dans les années 30, dans les bibliothèques nationales et le catalogue arabophone, le catalogue qui est une institution saoudienne, mais qui... fait édite les notices pour tout ce qui se publie sur, c'est pas une bibliothèque mais un catalogue. Alors Hatibi, Abdallah Al-Harwi, Mohamed Abd al-Jabri, Mohamed Arkoun, même s'il est né en 1928, mais j'ai considéré qu'il était proche de on peut considérer qu'il appartient à la même génération. Abdelwahab Bouhdiba, Hichem Jaïd aussi, il est né dans les années 30. Un Égyptien, Hassan Hanafi, Sadr Jalil Al-Azm, un Syrien connu,
Alors pourquoi j'ai choisi cela? Pourquoi il n'y a pas de femmes? Parce que comme j'étais étudiante en Tunisie, pour ma génération à moi, c'était les auteurs les plus importants de sa génération. Il y a des auteurs qui sont nés avant, d'autres. Il y a par exemple Nawel Saadawi, mais elle est née avant. Elle était importante. Fatima Mernissi, elle est née après, dans les années 40. Elle était aussi importante. Voilà. Ce sont les incontournables pour un étudiant dans les années 80-90 en Tunisie. Ce sont les incontournables. Tu n'appartiens pas à la sphère des intellectuels si tu n'as pas lu Hichem Jaït. Franchement, Khatibi n'était pas, ne faisait pas partie de on l'a découvert après. Non. Il y a un problème. Oui, alors, qu'en est-il de Khatibi dans le Mashrek, au Moyen-Orient? Là, j'ai pris une capture, j'ai fait une capture d'écran de l'entrée Abdel Kbir Khatibi dans la grande et prestigieuse bibliothèque nationale égyptienne. C'est une grande bibliothèque et qui est bien fournie. J'ai passé des jours dans cette bibliothèque. Elle est vraiment bien fournie pour les classiques, etc. Mais zéro ouvrage de Khatib. Zéro ouvrage sur Khatib. Voilà. Vous trouvez d'autres Abdel Kefi, Abdel Krim, etc. Pas de. Voilà. On dit les touches de Tatabokat. Zéro. Et où en Égypte, qui est le plus grand pays arabe du point de vue démographique, 100 millions. 100 millions. Vous allez voir. Et il y a quelques titres, mais c'est pas grandiose. On va comparer les bibliothèques nationales. Voilà. Là, en bleu, un peu foncé, c'est la Bibliothèque nationale tunisienne. En rouge, c'est pas une bibliothèque nationale, mais c'est l'une des plus grandes, sinon la plus grande bibliothèque maghrébine. Et les Marocains peuvent vraiment être... Non. Oui. Pas la Bibliothèque nationale marocaine. J'ai eu du mal à consulter le catalogue, mais la bibliothèque de la Fondation Abdelaziz El Saoud. Elle est bien fournie en ce qui concerne les sciences humaines et tout ce qui est maghrébin contemporain. C'est la meilleure, ici. Voilà. Le vert, c'est la Bibliothèque nationale égyptienne. Le mauve, c'est le catalogue arabe unifié. La bibliothèque de the Congress Library, la prestigieuse librairie américaine, et la bibliothèque, la BNF, la fameuse BNF, en bleu clair. Alors, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre tout d'abord, regardez, la BNF, il n'est pas vrai. On dit que la bibliothèque du Congrès américain achète, je pense que c'est du conspirationnisme, achète tout ce qui se publie dans nos pays. C'est faux. Regardez. La bibliothèque du Congrès, c'est en rouge, en orange. Voilà. Voilà. Pour Abdel Kbir Khatibi. Voilà, c'est la bibliothèque du Congrès. Et la BNF non plus, c'est le bleu clair. C'est pas fameux. Non. Alors que, donc, vous voyez, El Saoud, elle est au top. Et aussi, la bibliothèque, en toute modestie, la Bibliothèque nationale tunisienne. Surtout. Non. Voilà, les données sont là, les chiffres sont là. Mais en deuxième lieu. Et
Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que Mohamed Arkoun et Mohamed Abdel Jebri sont au top. Dans la plupart. Parce que c'est la théologie, mais comme par hasard. Là, avec tous mes respects, je vous tout mon respect à Arkoun et à Jebri. Sauf que Arkoun a parlé de la raison islamique et Jebri a parlé de la raison arabe. Donc, ce sont des constructeurs de systèmes aussi. Et ça plaît aux lecteurs. Je pense ça rassure les lecteurs et ça leur plaît. Maintenant, je compare tous ces auteurs nés dans les années 30 à deux acteurs religieux. L'un est un prédicateur, l'autre est un soi-disant intellectuel. Youssef Qaradawi, un prédicateur, un cheikh. On dit parfois de lui qu'il est le pape de l'islam. Il n'y a pas de pape, évidemment, mais c'est une manière de pointer son importance. Et l'autre, c'est Tariq Ramadan. Vous le connaissez. Alors, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que dans la bibliothèque d'Alexandrie, justement, qui compte uniquement quelques ouvrages de Khatibi, eh bien, il y a des entrées. Le Fahrez, l'Arabe Mouahad, la bibliothèque El Saoud ou la bibliothèque tunisienne sont comparables, pas beaucoup. Donc, voilà, évidemment, ça reflète. Ces données ne reflètent pas seulement la place vouée à ces auteurs, mais reflètent aussi les politiques d'acquisition des bibliothèques, si elles ont une politique d'acquisition, parce que très souvent, on constate l'absence de politique. Mais ça reflète quelque chose aussi. Voilà, Tariq Ramadan en rouge et Qaradawi en bleu. Ils sont au top. Voilà. Et là, je compare les ressources électroniques. Ceux qui sont nés dans les années 30, les intellectuels des années 30, donc, avec le nombre de vidéos et leur présence dans la plateforme CAIR. Pourquoi la plateforme? Et c'est une plateforme très, très importante qui compte beaucoup de revues des sciences humaines, surtout. Pour moi, c'est un critère important, la présence dans la plateforme CAIR. Alors, qu'est-ce qu'on constate? D'abord, on revient à YouTube. Évidemment, là, il s'agit d'autres prédicateurs New Look. Les prédicateurs, parce que Qaradawi, c'est un vieux jeu, c'est un prédicateur. Qui est important, mais qui n'est pas aussi écouté et vu, entendu sur Internet que les nouveaux. Ils ont une audience incroyable auprès des jeunes. Adnan Ibrahim, vous entendez parler de lui? Eh bien, il a 280 vidéos. Et j'ai compté uniquement le nombre de vidéos où l'auteur en question parle. Je n'ai pas compté le nombre de vidéos qui portent sur. Mohamed Amar a 500, Milk Nabi, il est ancien, mais 3 seulement, Tariq Ramadan, 152, Youssef Qaradawi, 326, mis à part, il a une émission Al Jazeera. Sadr Jalil Azam, 25, Hassan Hanafi 37, Jebri 8, Mohamed Abdel Jebri 8, Hichem Jaït 30, Abdelouheb Bahtiba 2, Mohamed Arkoun 60, Abdallah Larou 24.
Voilà. C'est quand même important que des intellectuels soient médiatisés, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y ait des ressources électroniques qui s'insèrent dans le cadre de ce qu'on appelle les humanités numériques. C'est important qu'on s'adresse aux jeunes dans YouTube, à mon avis. Hein. Parce que les intellectuels francophones surtout se méfient beaucoup de la médiatisation de YouTube, des chaînes télévisées. Or, je pense qu'on s'est trompé. Et que cette place vide a été occupée par d'autres. Voilà, donc Tariq Ramadan. Et Qaradawi, Adnan, New York, New Look, qu'est-ce que ça veut dire? On a l'impression qu'ils sont cool, que ce ne sont pas des durs, qu'ils incitent à la tolérance. Ils essaient de résoudre calmement les problèmes évoqués par les croyants et les croyants. Au fait, et c'est eux qui ont réussi à voiler toutes les femmes, enfin une bonne partie des femmes. Ils propagent la culpabilité doucement et pernicieusement. C'est ça leur œuvre. On peut se demander pourquoi l'islam politique régresse alors que les femmes se voilent et se revoilent et le voile se propage. Eh bien, parce qu'il y a ces prédicateurs-là. Et les femmes, même qui n'aiment pas, qui ont horreur de l'islam politique, elles écoutent ces prédicateurs New Look, qui sont beaux, qui sont bien coiffés, etc., bien habillés, qui parlent. Oui, égyptiens. Il y a quelques maltraitants aussi. Maintenant, c'est clair. Vous allez voir que l'audience ou les ressources qui concernent Khatibi augmentent parce qu'il s'agit quand même de la recherche. Voilà. Donc, les entrées de Cairn, c'est-à-dire les articles écrits par ses auteurs ou sur ses auteurs. Donc, nous trouvons 11% concernant Khatibi. Abdallah Harwi, 14%, Mohamed Arkoun, 12%, Hichem Jaïd, 7%, Abdelwahab Bouhtiba, 4%, Mohamed Abdel Jebri, 3%, dans la recherche. Alors que dans les ressources électroniques, il est, et dans les bibliothèques, il est important. Hassan Hanafi, 4%, c'est un philosophe égyptien. Sadak Jalil Avam, 1%. Youssef Qaradawi, 1%. Ça veut dire qu'il est présent sur le web et dans l'audiovisuel et il est absent, presque absent dans les recherches. Tariq Ramadan, par contre, puisqu'il appartient à l'université, il est important, 43%. Pardon ? Ça ne change rien. Enfin, il y en a qui le défendent tout le temps. Maintenant, c'est un deuxième volet. Là, j'ai présenté jusque-là des données quantitatives. Là, je vais faire un test qualitatif. J'imite les scientifiques, en fait. C'est pour la première fois que je fais ça. Quantitatif, voilà une scientifique qui apprécie. Quantitatif, ensuite qualitatif. Alors, il y a une nouvelle encyclopédie intitulée l'encyclopédie de la sexualité arabe et islamique
d'hier à aujourd'hui. Voilà. Dans le passé et dans le présent. Édité à Londres par un groupe d'universitaires, des académiciens. Donc. Contemplez bien, c'est en 3 volumes. Le premier volume vient de sortir. Donc. Et regardez la photo qui évoque bien l'exotisme et l'orientalisme et ce regard sur... C'est comme si les hommes sont du côté de ceux qui regardent des sujets et les femmes sont du côté des objets regardés. Voilà. Il n'y a pas plus stéréotypé que ça. Alors, pourquoi j'évoque... Là, c'est des données bibliographiques qui concernent cette encyclopédie. Elle est publiée en 2018, l'année dernière. Elle est écrite par un ensemble de chercheurs et dirigée par le professeur docteur, c'était docteur Mohamed Abdelrahman Younes, il est irakien. Vous allez voir pourquoi je donne cet exemple. Alors, l'immense. J'ai cherché dans cette encyclopédie le mot immense. Comment on définit l'immense? Et il y a une entrée dans cette encyclopédie qui concerne l'immense. Là, c'est l'encyclopédie. Là, ce que dit Khatibi, l'une de ses sites. Là, je cite son article dans Intersim, dans le numéro consacré à la mort. Je ne sais plus de quelle année, dans les années 90. Voilà. Qu'est-ce qu'ils disent de l'immense que Khatibi lui-même traduit par Mahabba? Ils disent, ils comparent, je ne sais pas comment, il parle de Paul Ricoeur Grimace, etc. Bon, après, il y a Khatibi, docteur Abdi Khatibi Al-Ziyakoul, donc Khatibi qui dit Halimto, Leilata Ams, Anajasa Dimin Kalimet. J'ai rêvé hier que mon corps était composé de mots. Wakein Allahul Fadl. Maintenant, fin de citation. On dit que c'est à lui, à Khatibi, que revient l'invention de la notion de immense. Elle est inventée dans le Qamus al-Firansi, wa ta'ni al-mahabba bi kulli tajanniyati al-kawni, qui veut dire donc l'immense, le mahabba, dans tous ses aspects universels. Hatta innana nuhissu بلذة الحرف ونورانية العشق في تهويماتي والتداعيات الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي. Un raccourci pour parler directement d'Ibn Arabi et de la mystique, alors que Khatibi dit bien qu'il ne s'agit ni de l'amour platonique, ni de l'amour mystique, ni de... Non, c'est autre chose. Voilà ce qu'il dit, entre autres. Il dit l'immense, selon l'amour courtois, affirme le désir sexuel, tout en transposant son excès dans le rythme de la pensée et de l'art. CF, mon ouvrage par-dessus l'épaule, au biais, voilà, il tient à définir l'immense. Et je pense que ça, la notion d'immense rejoint ce qu'a dit Fatri ce matin sur la spiritualité de Khatibi. À mon avis, l'immense, c'est-à-dire prendre une partie, pour schématiser, relever une partie de la jouissance amoureuse pour la consacrer à l'art. C'est une affaire de sublimation. Pour la transformer en écriture, c'est l'écriture, c'est la distance, et, écriture et poésie. Comme dans l'amour courtois. Sauf que l'amour courtois est tragique. Lui, Khatibi, ne veut pas de ce tragique, mais il veut bien de cette sublimation, une sublimation partielle. C'est comme ça que je définis. Il dit, j'appelle aimant cette autre langue de l'amour qui, tout en nommant cette opposition, affirme une affinité plus active entre les êtres.
qui puissent donner forme à leurs désirs et à leur affection mutuelle en son inachèvement même. L'inachèvement qui exige le renoncement, un certain renoncement. Donc on est encore dans une sorte de traversée de la castration. Je pense qu'une telle affinité peut libérer entre les amants un certain espace inhibé de leur jouissance. C'est clair. Voilà. C'était un scanner de la culture arabe à travers Khatibi et sa bibliographie. Bon, après cette brillante démonstration qui partait de chiffres et de statistiques et qui s'est terminée sur un feu d'artifice, je m'aperçois que j'ai présenté Raja très cavalièrement tout à l'heure, mais vous avez remarqué ses compétences multiples au-delà de sa spécialité de professeur de littérature. Elle est aussi psychanalyste et ça s'est senti dans son commentaire, hein, je le crois. Voilà, donc on va passer à la deuxième intervention qui sera la dernière. Et je voudrais en profiter, puisque ça va être la clôture, pour remercier en la présence de notre collègue Bencher, l'un des organisateurs, et je voudrais rejoindre tous ceux qui ont déjà dit leurs remerciements. Je voudrais y ajouter les miens, dire combien ce colloque a été remarquablement pensé et organisé, et que ça a été un bonheur de voir les discussions justement entre des gens qui d'ordinaire ne se rencontrent pas beaucoup et pratiquent des disciplines distinctes. Voilà, hein, donc merci beaucoup et bravo pour ce travail. Alors Mustapha Bencher, il est connu de vous bien entendu, il est professeur de littérature francophone et comparée, ancien directeur du laboratoire des études pluridisciplinaires de l'université Ibn Tufayl, ancien doyen des facultés de lettres de Benimellal et de Meknès, ancien directeur du pôle langue, culture et civilisation de l'Université internationale de Rabat. C'est aussi l'auteur de L'université à l'épreuve. Et il a dirigé par ailleurs plusieurs ouvrages collectifs qui portaient sur des auteurs comme Shraibi, Idriss Shraibi ou Abdelkebir Khatibi. Il a fait sur ces deux auteurs les entrées dans l'Encyclopédia Universalis. Donc voilà une brève présentation. Et je vais lui céder la parole. C'est déjà pas mal. Oui, c'est un beau cursus, effectivement. Donc, chers collègues, je vous cède la parole. Vous allez nous parler du chemin d'un résistant pacifique. Chers amis, au moment de prendre la parole en dernier intervenant, dans ce colloque, je voudrais brièvement faire trois observations. La première est que je ne dissimulerai pas la joie et l'honneur que j'éprouve à prendre la parole dans l'enceinte de ce lieu magique où de nombreuses personnalités de renom ont porté haut le verbe et la connaissance. La deuxième et que j'interviens après d'éminents spécialistes dans différents domaines et de quelques compagnons de route de Khatibi. Il me sera donc difficile de ne pas rejoindre à bien des égards des propos déjà tenus. Ne m'en veuillez pas beaucoup. Enfin, je voudrais également dire le plaisir que j'ai eu à travailler avec des collègues et des amis dans le cadre de notre commission scientifique. Je puis témoigner de leur sens des responsabilités, de leurs exigences scientifiques, ainsi que de leur ouverture d'esprit et de leur respect de la communauté scientifique.
c'était pour moi un devoir de vous apporter cette dernière information. Venons-en maintenant à Khatebi. Voilà bien maintenant 10 ans, presque jour pour jour, que l'une des meilleures plumes marocaines s'en est allée. Le poète, l'écrivain, l'essayiste laisse à la postérité une œuvre imposante et surtout, je crois, et ça a été dit, une manière d'être en accord avec lui-même. L'intellectuel atypique qu'il fut s'est méfié toute sa vie durant des idéologies et sur le fil du rasoir a tenté de tenir son chemin. Ce chemin, nous l'empruntons aujourd'hui à rebours, comme pour y voir plus clair, explorer une pensée qui échappe à la classification, qui s'est forgée à la jointure des disciplines et des civilisations. On peut être tenté, dans le cadre d'un hommage de circonstance, de s'agripper à l'éloge. Et la louange, alors, chemine seule, à travers des mots sincères, sans doute prononcés dans des circonstances particulières. Tout ce qui a été dit durant les 2 premières journées montre quelque chose de différent, tout en restant admiratif devant le travail accompli par Khatebi. C'est parce que les plus grands écrivains ont été également les plus grands dérangeurs. Qu'il n'est pas sûr que derrière cette voie consensuelle que Khatebi a si assidûment arpentée ne se cache une force tranquille de résistance. Je cite, « Parce que le pouvoir est un partage continu, la conquête exige un art de désappropriation, lit-on dans le lutteur de classe à la manière taoïste. » Faut-il rappeler la longue marche de Abdelkader Khatebi ? Faut-il voir dans sa prudence intellectuelle, dans le feutré de ses engagements, des audaces meurtries, une repentance déguisée ? L'homme qui a choisi, selon ses propres mots, d'habiter une sorte de non-identification, souhaitait tirer de cet obstacle la matière même de ses préoccupations intellectuelles. En voulant penser aux frontières de la littérature, il faisait un pari difficile et en assumait les risques. Dans le foisonnement des thématiques, des genres et des approches critiques, la pensée peut naturellement gagner des territoires nouveaux, mais perdre en cohérence. Pourtant, cette voie-là, Khatebi va lui conférer un statut particulier. Elle va traverser toute son œuvre et de cet éclectisme apparent faire une force pour emprunter son chemin initiatique, dit-il. Dans son intervention, portrait de l'artiste en doctorant, mon ami Francis Clodon, hier, a brillamment mis en relief les débuts de la pensée de Khatebi et le difficile chemin qu'il emprunte sous la direction d'un jury éminent et dont la seule présence à cette soutenance atteste de l'intérêt que suscite le travail du candidat. L'écrivain est pourtant habité par la singularité des cultures, des œuvres qui, du terroir, du spécifique, savent migrer vers les contrées lointaines d'une pensée transversale qui se défie d'abord et avant tout, qui se définit, pardon, d'abord et avant tout comme une recherche sur l'état de notre modernité aux prises avec ses propres démons. Dans les affinités électives de Goethe, l'écrivain, reprenant Lessing, rapporte ce mot, je cite, « Nul ne se promène impunément sous les palmes », fin de citation. Que faut-il comprendre par là, sinon
qu'on a beau vouloir quitter leur ombre, on ne se retrouve jamais plus comme avant. C'est la question essentielle, celle de l'influence que les autres littérateurs exercent sur nous, qui est ici posée. Nous autres universitaires avons tendance parfois à admirer les écrivains, aidés en cela par des médias plus ou moins fiables. Nous leur édifions, souvent à notre insu, des citadelles imprenables, à l'intérieur desquelles ils se réfugient et se jouent narquois de notre naïveté. Bien sûr, ces hommes et ces femmes, du moins ceux ou celles dont les œuvres résisteront à la postérité, ont su faire de la fiction, de l'imposture, une vérité profonde. Mais il n'y a pas d'écrivain précoce, sinon dans la bouche de la critique facile. Tous les grands écrivains ont vu leur talent se forger dans la constance et la conviction. Voyez Khatebi lui-même. Il inaugure, avec le roman maghrébin, une critique littéraire qui aujourd'hui laisse pantois et dont Francis Clodon, en ce début de colloque, rappeler avec une prudente bienveillance les traits essentiels pour faire dans l'euphémisme. Comment l'homme qui a écrit ce mémoire, parce que c'est un mémoire, comment l'homme qui a si abusivement distribué tantôt la louange, tantôt l'invective, a-t-il fait pour en arriver à vœux de silence, au quatuor poétique, pour ne parler que de ces deux poèmes où le critique en virtuose fait acte de création. La réponse, l'écrivain nous en fait don. À nous de nous en saisir et de la méditer. Je cite, « Dans la création, écrit-il, Khatebi, l'écrivain apprend peu à peu à sentir, dans cet état, un équilibre en mouvement et des pulsations du rythme, fin de citation. Mais comment apprendre à sentir? Comment, d'un pas furtif dans la nuit du langage, trouver son chemin et aller vers la lumière? Il n'y a pas de miracle. Tous les grands créateurs sont d'abord d'intarissables lecteurs. Dans ses influences personnelles, le lecteur construit sa nouvelle famille, fait dialoguer des siècles entre eux, dîne avec Homère et se réveille avec Rimbaud pour passer la matinée avec Faulkner, Melville, Cervantes et d'autres encore. Khatebi pose la question, je cite, « Comment un lecteur est-il possible ?» Un bon lecteur, dit-il, absorbe le poison, mais ne meurt pas de plaisir. Il combine un poison, plus pur aussi, imbibe-t-il l'esprit d'autres lecteurs. Fin de citation. Voilà défini ce que devrait être la critique littéraire, celle dans laquelle a cheminé inlassablement le poète écrivain. Elle est d'abord éblouissement, séduction, pour peu à peu se transformer en esprit. Un homme grand, disait Nietzsche, n'a pas seulement son esprit, mais aussi celui de tous ses amis. Fin de citation. Les amis de Khatebi, pour avoir été nombreux, n'en ont pas été moins dûment sélectionnés. L'écrivain qui se demandait, je cite, « comment brûler toutes les cartes de sa vie en un seul poème », n'a pas lésiné sur le choix de son compagnonnage pour penser et cheminer aux frontières de la littérature. Il suffit de revenir à ces textes critiques. La poésie est la matrice de son œuvre. Tous ceux qui ont côtoyé Khatebi savent ce qu'il doit à Valéry, à Mallarmé, ça a été dit. Combien il s'était pris de Baudelaire, Rimbaud,
Pourquoi il rassemble dans un même volume quatuors politiques Rilke, Goethe, Ulukov, Lundvix, on en a parlé ce matin. Somnambule visionnaire qui sait voir dans la nuit, le poète entre dans l'existence des hommes imprégnés d'émotions, chargés de révolte intérieure, indomptables, réfractaires à la servitude et résistants, pacifiques. Amoureux du rythme, il conquiert par les artifices du langage l'aptitude à inventer des vérités, c'est-à-dire la liberté. L'écrivain arpente la littérature universelle avec la conviction, pour reprendre Goethe, je cite, que les auteurs les plus originaux ne sont pas ceux qui apportent du nouveau, mais ceux qui savent dire des choses comme si elles n'avaient jamais été dites avant eux. Fin de citation. Il ne sert à rien donc de penser que de nouvelles thématiques empruntées à l'actualité et que l'adhésion systématique aux attentes de notre modernité confèrent à l'œuvre et à elle seule crédit et puissance suggestive. On voit apparaître ici et là des œuvres de circonstances qui sans doute apportent des témoignages utiles, qui font œuvre de documents consultables à partir desquels la société peut mieux apprendre à se connaître. Mais elle n'entre pas pour autant en littérature. Pourquoi ? Je ne sais pas. Il en va ainsi de la critique littéraire, qui peut prendre parfois une tournure artificielle, conçue à travers des dogmes utilitaires et sans amour. Rappelons-nous cette invite de Rilke à un jeune poète. Je cite : les œuvres d'art sont d'une infinie solitude. Rien n'est pire que la critique pour les aborder. Seul l'amour peut les saisir, les garder, être juste envers elles. Fin de citation. Rilke est probablement un peu excessif dans ce jugement. Mais son propos sonne juste et exige de nous du travail et de la persévérance. Khatibi a compris ce qu'être un écrivain voulait dire. Je cite, « Un bon écrivain séduit d'abord, donne du poison ensuite, et au fil de l'écriture, il s'empoisonne lui-même. » Fin de citation. Un bon écrivain séduit d'abord, donne du poison ensuite. Dans un chassé-croisé entre la lecture et l'écriture, il a développé une double création littéraire et critique qu'il livre avec une sereine mélancolie. On peut dire aujourd'hui qu'il existe au Maroc une sensibilité khatibienne. Voyez comment l'université s'est imprégnée de ces textes. Il est même de prétendus héritiers qui, dans un mimétisme improbable, ont tenté une impossible appropriation de ce style, qui a tenté, comme vous le savez, de célébrer la grâce du silence. Je cite, « Le désir ultime de l'écrivain, qui est synonyme de celui de l'éternité, est l'invention du lecteur », écrit Khatibi dans « Vœux de silence ». Fin de citation. C'est précisément la tâche à laquelle s'est consacré l'écrivain, composant une géographie critique qui nous apprend à la fois ce qu'il lisait et comment il le lisait. Il va chercher chez les poètes et les écrivains non des explications du monde et des contenus, mais plutôt des angles d'attaque et pose son regard oblique sur les marges du texte, sur ces points où la jointure cachée laisse parfois apparaître une éblouissante force intérieure. Chez Rilke, par exemple, il explorera la mystique du silence en œuvre dans le poème.
Chez Lundqvist, il associe à partir du tremblement de terre d'Agadir la poésie à la vie qui rapproche de la mort de l'autre et plaide pour une vérité dangereuse. Dans ses lectures, il cherche, écrit-il, c'est encore une fois Khatibi, plutôt des textes tutélaires que des maîtres à penser et à vénérer, et qui, parlant de Goethe, font dire à Khatibi, appelé à se préciser sa pensée auprès d'un ami qui lui demandait de justifier le choix de ses lectures, la réponse de Khatibi est la suivante. Vois-tu, Goethe et sa littérature universelle, rêvés en son temps, n'ont pas fait naufrage au cours de 2 siècles de poésie. Fin de citation. Une certaine volupté habite la plume de Khatibi et l'université marocaine devrait pouvoir s'inspirer de cette nouvelle critique qui porte vers la création et la promesse d'une parole vive. C'était là, mesdames, messieurs, ma lecture de quelques textes littéraires de Khatibi. Mais l'homme, et cela a été bien souligné hier et aujourd'hui, écrivain non identifié, a sans cesse travaillé sa façon d'être un intellectuel, ou dit autrement, sa façon de vivre avec ses convictions en harmonie avec le monde. Cet aspect particulier de la pensée de Khatibi est un peu occulté dans la production intellectuelle marocaine. Sans doute, le terrain est-il mouvant et la critique littéraire le ressent comme tel. Deux textes de Khatibi, écrits à 25 ans d'intervalle, me semblent mériter que l'on y réfléchisse davantage. Vomito Blanco, 1974, et L'alternance et les partis politiques, 1999. Plus exactement, c'est sur le paratexte de ces deux livres importants que va porter cette deuxième et dernière partie de mon intervention. Un peu de temps encore. Vomito Blanco est précédé de quelques remarques à l'intention du lecteur que l'auteur intitule « Prélude ». L'alternance et les partis politiques posent comme préalable un certain nombre également de remarques que l'auteur désigne sous le titre « Un choix stratégique ». Puis, le livre terminé, Khatibi adresse une lettre à un jeune militant. D'emblée, on remarque la volonté de l'écrivain dans les deux livres de donner le ton, de fixer le cap. Ici, l'écrivain est essayiste, et plus particulièrement sur des sujets chauds. Il s'implique personnellement et tente de justifier son implication. Si l'on veut faire court, on dira qu'il veut donner au lecteur les bonnes clés pour entrer dans le livre. Voilà pourquoi j'écris ce livre, voilà pourquoi je l'écris maintenant, voilà la forme que va prendre ce livre. Vomito Blanco, de l'aveu même de l'auteur, est un pamphlet. Je cite, « Le lecteur sera peut-être étonné par le mouvement politique de ce pamphlet, qui est tout un essai libre sur la morale contaminant les positions politiques. » Fin de citation. Permettez que je m'arrête un peu sur cette phrase. Si l'on comprend bien ce que veut dire un pamphlet, un court essai satirique qui attaque avec violence, on est en droit de questionner la formule « un essai libre sur la morale contaminant les positions politiques ». Le terme « contaminant » emprunté au lexique médical mérite une réflexion. « Contaminé » veut dire « infecté »,« souillé », »,« pollué »,
la contamination porte une charge négative. Autrement dit, le parti pris de l'écrivain est affiché. Dès lors que Khatibi entre en politique, et quelle que soit la cause, il sait mieux que quiconque que l'idéologie risque de prendre le dessus. Contre cette idéologie, qui ne peut neutraliser, il met en garde, et au-delà de son militantisme, rappelle la difficulté d'être impartial et pose indirectement les limites de l'engagement intellectuel. Cette méthodologie a un souci majeur. Elle pose un idéal d'homme exemplaire qui a réussi à concilier son expérience personnelle et ses idées sans trahir ni l'une ni les autres et dont le métier est de transcrire le monde tout en le changeant. Cet intellectuel-là est prudent. Il sait que la politique est habitée par l'idéologie et se défie des idéologies, même s'il reste convaincu de ne pouvoir définitivement s'en extirper. Alors il agit sur la méthode. Il tente de lui donner plus de force en soulignant lui-même ce qui peut constituer ses limites et à partir de ses limites, montrer qu'il n'est pas du même côté de la barricade, pour reprendre la fameuse expression de Paul Nizan. Je cite, et cette fois-ci, c'est Khatibi dans « Toujours vomito branco » dans la présentation, « Ma rage s'étant apaisée, il fallait analyser ce questionnement, lui donner une forme visible, le traduire patiemment dans un pamphlet convaincu et convaincant, et par ce pamphlet politique, à sa manière, transmettre au lecteur l'écume de ma colère et de ma jouissance au texte. » Il ne perd jamais de vue sa jouissance au texte, fin de citation. Ce qu'inaugure Khatibi, c'est la volonté d'apprendre à vivre avec des différences. C'est tout un art qui exige la capacité au dialogue, à la traduction entre les cultures, pour laquelle il faut des interprètes, dit-il, des passeurs. Il retourne l'argumentaire occidental contre lui-même, mais dans ce processus de retournement, il va vers la connaissance de l'autre, pénètre son idéologie, se l'approprie pour mieux la combattre. Vomito Blanco est... Vomito Blanco est, de ce point de vue, un texte phare. Khatibi sait que les intellectuels occidentaux ne lui pardonneraient pas une méconnaissance de leurs universités et de leurs universaux de la pensée. De même qu'il chercherait à l'enfermer très vite dans une subjectivité arabe qui refuse d'ouvrir les yeux. Alors l'écrivain attaque sur deux fronts et oppose à la conscience malheureuse occidentale ses propres armes de combat. Cette stratégie, développée en 1974, à l'heure où la Palestine cherchait encore son angle d'attaque, est à la fois prémonitoire et audacieuse. À bien lire Prélude, on en sort armé pour le combat, et Khatibi opère une jonction entre l'intellectuel universel et l'intellectuel spécifique, celui impliqué dans une cause précise, mais qui ne perd pas de vue que sa parole, tout en participant à une idéologie, tente de contrôler et de maîtriser cette idéologie sur laquelle elle porte un double regard critique. Là encore, Khatibi rejoint ses lectures et fait sienne cette méditation de Confucius, je cite, « se maîtriser soi-même et revenir au rite de la courtoisie, c'est cela le sens d'humanité », fin de citation. Si l'on examine à présent ce que nous dit Khatibi dans l'alternance et les partis politiques, on ne manque pas
d'être frappé par la similitude de la démarche adoptée. Je cite, « C'est la spécificité de cette orientation social-démocrate que j'étudie ici, dans ce texte qui a une forme particulière entre l'essai et le reportage. Texte à la fois analytique et ce texte prend position, ce texte à la fois analytique et politique. Ainsi, il a voulu, texte en fonction d'un être, j'ai une petite hésitation ici. C'est un texte à la fois analytique et politique, et tout est dit dans cette formule. Ainsi, ajoute-t-il, ai-je voulu accompagner ces débats de l'alternance par cette étude comme un intellectuel politique dont la fonction est d'être un observateur attentif. Tout est dit dans ces quelques lignes et la démarche n'a pas pris une seule ride. Il s'agit de déterminer le lieu d'où l'on parle et à qui l'on parle. Khatebi, constamment dans ses écrits, s'installe dans cette dualité et lui confère une légitimité et, d'une certaine manière, le place toujours un peu en réserve. Édouard Saïd écrivait, je cite, « Le choix majeur auquel l'intellectuel est confronté est le suivant. Soit s'allier à la stabilité des vainqueurs et des dominateurs, soit, et c'est le chemin le plus difficile, considérer cette stabilité comme alarmante. » Fin de citation. Chez Khatebi, le choix est beaucoup moins radical. Et de toute manière, il se fonde sur des stabilités provisoires. Par exemple, il semble applaudir à l'alternance au Maroc et à son programme. Il ne lui délivre pas pour autant un blanc-seing. Je cite, « Il faudra évaluer plus tard. Il faut laisser le temps au temps. » Ici est posée la vraie question. Qu'est-ce qu'être un intellectuel aujourd'hui au Maroc? Je donne la parole à Khatebi. Donner du sens, comme on dit, à une activité de l'esprit revient pour l'intellectuel à justifier son destin et la vie collective qu'il implique au jour le jour dans l'exercice de son métier et de sa responsabilité limitée. Fin de citation. Il ajoute, l'intellectuel d'aujourd'hui est appelé à être le traducteur actif et tolérant, le mot est prononcé, de nos différences, quelles que nous soyons. Fin de citation. Il est appelé à être le traducteur actif et tolérant de nos différences. Je viens de citer un texte de Khatebi, extrait d'une conférence prononcée au Pen Club sous le titre, je cite, « L'intellectuel, la société, le pouvoir ». Voilà au moins une fois. Hier, on avait dit qu'il ne prononçait pas le mot, qu'il n'écrivait jamais le mot « tolérant ». Voilà au moins une fois où le mot « tolérance » est porté par Khatebi, et ce n'est pas l'unique fois. Il n'est que de revenir à « Triptyque de Rabat », dans lequel Khatebi attribue à un de ses personnages phares le désir, je cite, d'atteindre cet état de tolérance sans abdiquer à la contrainte, frontière idéale où le consensus entre citoyens est œuvre active, convivialité, la fin de la barbarie. Fin de citation. Je rappelle que ce livre est publié en 1993, période durant laquelle l'Algérie traverse des moments douloureux et que certains intellectuels payent de leur vie le prix de leur liberté d'expression.
Cette invite au discernement est en réalité une invite à être soi-même. Si Khatebi est digne d'intérêt aujourd'hui, c'est précisément parce qu'il ne croit ni aux vérités préétablies, ni aux valeurs qui reposent sur le seul acte de foi. Il s'inscrit dans une pensée mouvante qui a cessé de proférer la leçon. N'est-ce pas là la promesse d'un héritage de liberté et d'humanité? Je vous remercie. Belle conclusion. Et belle conclusion, je dirais, dans ces deux voies. L'une qui nous donne à nous inquiéter, d'un côté. L'autre qui nous laisse espérer la possibilité de lire et relire de façon stimulante et réconfortante, Khatebi. Voilà, je crois que c'est bien d'avoir ces deux notes qui... Je voulais remercier M. Lajomri de sa présence et de son accueil, mais le voilà qui fait un aparté. Donc nous allons, pendant ce temps, en profiter pour faire le débat le plus court possible, parce que nous avons beaucoup débordé sur l'horaire prévu. Donc poser des questions courtes, et j'inciterai aussi les intervenants à faire des réponses courtes. Et puis ensuite, je céderai la place aux organisateurs pour le mot de conclusion. Hein. Qui voudrait poser une question ? Oui, bien sûr, bien sûr. À propos des années douloureuses, des années 90 en Algérie, l'un des premiers à avoir écrit un ouvrage sur Khatebi est Barthi Ben Aouda, un Algérien assassiné en 1995. C'est l'un des premiers à s'être intéressé à Khatebi. Écoutez, je crois qu'on a, tout le monde comme moi, était vraiment enchanté de ces deux interventions. Une très belle fin. Évidemment, votre approche analytique de ce que font nos jeunes aujourd'hui, est-ce qu'ils lisent, qu'est-ce qu'ils regardent, c'est sûr qu'elle est très inquiétante. C'est sûr qu'elle a suscité chez nous des interrogations, qui lit Khatebi aujourd'hui, on peut se poser la question. Bien sûr, les éminents professeurs qu'on a écoutés les traitent dans les universités, mais Madame Beslama, j'ai vraiment, votre travail m'a fait peur, parce que d'abord, je ne connais pas tous ces... si, pose une... Excusez-moi, je n'ai pas mis en valeur le fait qu'il y a des jeunes chercheurs qui se spécialisent dans Khatebi, qui font des thèses au Maroc, en Tunisie, peut-être en Algérie et ailleurs. Sauf qu'il y a des murs invisibles, des murailles invisibles entre le Maghreb et le Machal. J'entends voilà, bien, c'est... Madame Beslama. Pour oui. Autant, on ne va pas se voiler la face. Quel est le nombre de ces jeunes ? Qu'est-ce qu'il représente par rapport à la population du Maghreb, etc. Donc malgré tout, on peut, voilà, ça nous interpelle tous, que des prédicateurs qui n'ont apparemment rien publié, parce que quand il s'agit d'aller voir leurs écrits, c'est cela même qui, à mon sens, empoisonne notre jeunesse et pousse les femmes à se voiler. C'est quand même très grave. Ça crée des fractures. J'aurais préféré qu'on les pousse à lire du Khatebi, qu'on les pousse à lire du... Voilà. Donc, à votre avis, est-ce qu'il faut le mettre en ligne ? Est-ce que vous apportez une réponse par rapport à ces lacunes ? Puisqu'aujourd'hui, ce sont ces technologies-là, c'est le numérique. Ça pose la problématique, ce matin, j'en ai parlé. Qu'est-ce qu'on doit enseigner dans une université maintenant ? Quelles sont les méthodologies d'enseignement de demain ? Quoi, comment, etc. Et je vous remercie.
Alors, c'était pas pour vous faire peur, mais enfin, c'était pour montrer quelques aspects de la culture arabe. Et il faut qu'on se dise d'abord que la majorité de nos jeunes sont arabophones. La majorité de nos jeunes, ça c'est un fait. Il y a des statistiques qui le montrent. Donc, il faut mettre en place des politiques publiques de traduction, d'humanité numérique. Il faut s'occuper, tout simplement, il faut que nos États s'occupent réellement des jeunes et des ressources électroniques et des humanités numériques et s'adressent à ces jeunes. Ne laissent pas tout ce vide qui est facilement occupé par ces acteurs très louches et... voilà, il faut des politiques de traduction aussi. C'est le rôle des académies. Moi, j'allais dans le texte que j'avais écrit, j'ai proposé, je le proposerai à l'UNESCO, la notion, une nouvelle notion, parallèle à l'obligation de mémoire. Et il y a lieu de parler d'obligation de traduction. Il faut qu'on traduise. Dans tous les sens, traduire les auteurs arabophones vers le français et d'autres langues et vice-versa. Je pense qu'il faut traduire. Nous avons l'obligation de traduire Khatibi et les auteurs francophones pour que les jeunes non francophones le lisent, parce qu'ils lisent plus facilement. Et ils se trouvent, ils sont tout le temps sur Facebook et sur les réseaux sociaux et les Internet. Donc, il faut occuper Internet. Statistiquement parlant, un nombre très élevé d'endoctrinement et de recrutement des terroristes se fait sur Internet. Alors, il faut qu'on ait des politiques qui concernent Internet. Il faut mettre aussi en ligne. J'entends bien, mais vous parlez de traduction et moi, je vous parle de Il faut les deux. Il faut les deux. Et il faut qu'il y ait des ressources électroniques. Cette conférence, ces conférences, je souhaiterais qu'elles soient mises en ligne. Il faut augmenter le nombre de ressources électroniques. Elles sont déjà en ligne. Ben, c'est bien. Ah bon, elles sont passées bien. Directement. Très bien. Oui, donc il faut... Il faut qu'on mette les jeunes et les enfants au centre de nos intérêts. On a des sociétés. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons des sociétés jeunes et nous n'avons pas de politique publique qui s'intéresse réellement à ces jeunes. Voilà, je généralise peut-être à partir du cas tunisien. En tout cas, en Tunisie, je n'arrête pas de dire que les politiques publiques qui s'intéressent aux jeunes, ont pour but d'intégrer les jeunes, sont insuffisantes, très en deçà de ce qu'il faut, du minimum qu'il faut. Enfin, je ne sais pas, au fait, c'est un cri d'Allah, voilà. Il faut qu'on... Non, mais il faut effectivement prendre conscience... Excusez-moi. D'un autre lieu, oui. Par exemple, en Tunisie, nous avons un centre national de traduction. Nous avons une académie, Beit el-Hakam. Mais ces deux institutions n'ont pas de politique de traduction. On ne sait pas qui fait quoi et qu'est-ce qu'il faut traduire, etc. On s'est rendu compte dernièrement qu'ils ont mis beaucoup d'argent à traduire des thèses de linguistique.
avec tous mes respects de la langue, pour la linguistique, c'est pas la première nécessité. Voilà, il faut, nous manquons de politique publique. Merci beaucoup, j'ai beaucoup appris. Ma question s'adresse à M. Bencher. Au fait, concernant le volet de critique et qui privilégie, pour reprendre l'expression de Louis Arrogant, le mentir vrai, c'est-à-dire la forme romanesque pour arriver à la vérité, la question est, pensez-vous que c'est surtout une question de tradition littéraire, c'est-à-dire dans le français, parce que la critique qui passe par la littérature existe très bien, elle est bien ancrée dans la littérature anglophone. Oscar Wilde en a écrit l'artiste comme critique et critique comme artiste. La réponse, le roman The Portrait of Dorian Gray, le portrait de Dorian Gray, s'était préfacé avec une position de critique sur par rapport à l'art. La meilleure réponse quand George Eliot a écrit Middlemarch, c'est la meilleure réponse critique, c'était un autre roman qui était écrit par Henry James, Portrait of a Lady, portrait d'une dame. Et aujourd'hui, jusqu'à maintenant, ça continue avec George Steiner, qui de son style et de sa manière d'écrire, qui est plutôt une critique créative, Harold Bloom quand il travaille sur Shakespeare. Donc c'est juste, est-ce que vous pensez que par rapport au français, c'est une question de tradition littéraire, c'est-à-dire ça n'existe pas, ça a été pas, ça n'a pas commencé dans le 19e siècle avec le roman et tout ça. Merci. Mais j'ai pas très bien compris la question. Vous voulez dire que vous posez votre question au sujet de la critique littéraire? En quoi la littérature En quoi la littérature est-elle elle-même critique? Oui, c'est-à-dire parce que vous avez dit que la meilleure réponse ou la meilleure critique, c'est la critique qui vient de la littérature elle-même, c'est-à-dire quand le critique lui-même. C'est-à-dire que, bon, en France, il y a ce qu'on appelle aussi la critique d'auteur. Les écrivains eux-mêmes. Ont une certaine appréhension de leurs textes et des textes de leurs collègues et contemporains, et ils en parlent et ils écrivent. Ce que je veux dire, pour ma part, et je me suis placé un peu dans le contexte universitaire marocain, c'est que, bien entendu, les théories linguistiques, narratologiques, tout cela est utile et confère un outillage important pour entrer en littérature. Mais c'est un peu comme dans la construction d'une maison. La création, pour moi, la vraie critique littéraire est une création. C'est une page d'écriture. Et c'est comme une maison. Une fois que les travaux sont terminés, il faut se débarrasser de l'échafaudage. Et il faut pouvoir conserver à la critique à la fois sa singularité, mais une singularité, naturellement, qui draine derrière elle toute une série de connaissances, d'émotions, de rencontres littéraires. Et pour ma part, c'est un peu chez Khatebi que j'ai découvert cette critique littéraire, que je trouve insuffisamment présente aujourd'hui dans l'université marocaine. Mais c'est ce que j'avais dit, en fait, parce que c'est dans la littérature anglaise, oui. C'est un avant de soi. Dès que dans la tradition française, il y a ce mot qui s'annonce déjà. D'ailleurs, à mon sens, peut-être vous corrigez, parce que ça a commencé déjà avec Derrida, quand il a écrit Glace, c'était une invention, toute une création. Et l'appareil critique, il est vraiment dans l'invention aussi de l'idiome, dans l'invention d'un nouveau discours, dans l'invention d'un. Non, mais je dirais que précisément, la réponse, elle est dans votre question. Dans la littérature en français de par le monde, il y a une remise en question incessante des modèles. La littérature est toujours par définition, justement, critique et en tout cas pose des questions. Donc, elle. Et précisément, lorsque la langue est partagée par des écrivains qui vivent des situations historiques et culturelles différentes, elle ne peut que
avoir une part critique inévitable en elle. L'œuvre de Khatibi, je ne crois pas qu'on puisse la séparer aussi radicalement entre partie critique et partie créative. Je crois que même sa création est plus critique et va plus loin encore, plus audacieusement que... Oui. Certes, oui, oui. Ça bouge quand même un petit peu dans l'université française. Tout à fait. Ce qui a aidé la critique américaine, c'est les Français qui sont passés la Méditerranée. L'Atlantique. On va arrêter le film. Même si la lecture n'était pas, bien sûr, identique, mais il faut que la critique voyage. Oui. Et le problème pour moi, ayant passé par le système français récemment, c'est que. Ils ont été très impliqués dans le structuralisme, ils ont du mal à laisser vraiment cela, de garder de cela ce qui peut être utile maintenant. Et ils ont parfois peur de faire ce que tu as fait, Benchel, c'est-à-dire de laisser la charpente de l'édifice et d'oser lire. Sans méthodologie. Oui, sans avoir une grille. Je vais quand même juste un mot, une remarque. La critique dont je parlais, ce n'est pas, c'est la critique telle qu'elle s'exprime aujourd'hui dans l'université marocaine. Je fréquente quand même assez assidûment Paris. Et je sais qu'en France, y compris l'université, c'est un peu décalé par rapport au structuralisme, et même largement. Et les différents colloques auxquels il m'arrive d'assister montrent très bien que l'université française a largement entériné, forte du crochet de la narratologie, a largement entretenu... On est largement arrivé à cette critique qui est une critique de construction avec des émotions qui sont dites, mais qui sont traduites à travers un référentiel théorique et autres, alimenté par cet argumentaire, sans que le texte ne respire naturellement la théorie. Et c'est cela que j'aimerais voir aujourd'hui se produire au Maroc. J'ai largement contextualisé et j'ai essayé de montrer en quoi Khatibi, puisqu'on parle des héritages, en quoi Khatibi pourrait être utile à l'université si l'université savait comment appréhender l'université marocaine, les œuvres de Khatibi, et éviter ce mimétisme étroit et étriqué qui conduit à des impasses. Et le meilleur moyen de le faire, c'est d'aller, encore une fois, au contact des textes, de la vraie littérature, de s'en imprégner et de s'imprégner de ce poison et d'être habité soi-même par ce poison pour paru, mais la voilà, la voilà.
Alors, mesdames et messieurs, c'est toujours avec beaucoup d'émotion qu'on démarre un colloque, et c'est peut-être encore avec plus d'émotion qu'on le termine. Surtout lorsque, de l'avis de toutes et de tous, ce fut des moments réjouissants. Alors, j'ai été désignée, en fait, hein, par les membres du comité scientifique et d'organisation pour faire le démarrage, mais également pour faire la clôture. Alors, je crois que c'est un subterfuge, parce que, étant la seule femme de ce comité scientifique, ils veulent vous donner l'illusion qu'il y en a plusieurs. Alors, je voudrais, et je crois que le moment est opportun, je veux donner la parole à Madame Amina Khatebi, parce que c'est dans ce moment-là, celui de la clôture, que sa parole sera la plus entendue, après que chacun des intervenants, des orateurs, d'ici et d'ailleurs, certains de très loin, ont pu s'exprimer sur Khatebi, mais également sur ce que notre monde nous apporte, ce que nos échanges nous apportent, et ce que cette transculturalité dont parlait Khatebi est vivante à travers vous et à travers les éléments que nous avons développés ensemble. Madame Khatebi, à vous la parole. Mesdames et messieurs, d'abord, je tiens à remercier vivement l'Académie du Royaume du Maroc et le comité scientifique d'organisation pour ce colloque de commémoration de la 10e anniversaire de la disparition de Abdelkader Khatebi. Je suis très émue de me tenir aujourd'hui devant vous. Les mots n'étant pas mon métier, c'est mon défunt mari Abdelkader qui était le grand orateur et avait l'habitude des discours. Parmi vous se trouvent ceux qui l'ont côtoyé, ceux qui l'ont accompagné, ceux pour qui il fut le professeur ou l'initiateur, ceux pour qui il fut l'interlocuteur, le partenaire de dialogue, ceux pour qui il fut l'ami. Pour moi et les enfants, il était et le mari, et le père de famille, et l'ami, et l'intellectuel, et le poète, et l'artiste. Dans les 20 années de vie commune que nous avons partagées ensemble avec lui, nos enfants et moi, ces désignations d'époux, père, ami, professeur, initiateur, intellectuel, poète, artiste, n'étaient pas distinctes ou séparées. Ils s'enchevêtraient et se mêlaient car ils les étaient toutes à la fois et en permanence. Cependant, il donnait à chaque chose son temps, à son travail universitaire, à son devoir d'intellectuel et à sa quête d'artiste et à sa famille. La maison, notre maison, n'était pas seulement un siège de famille, mais un lieu bourdonnant de rencontres et constamment. Rencontres avec des écrivains et des artistes de notre pays et d'ailleurs. D'ailleurs, il y a des témoins. Et si les murs pouvaient parler, ils témoigneraient des longues conversations traversées d'éclats de rire et rythmées de réflexion. Car l'humour l'accompagnait toujours. Son sérieux était doublé d'humour, un humour savant et subtil. Il avait aussi et surtout le don de l'émerveillement, de l'étonnement qui le poussait à chercher la cause des choses, le pourquoi et le comment des choses. Avec lui, ce fut en permanence l'apprentissage, un apprentissage actif, car nous avons beaucoup voyagé ensemble. Il avait une grande curiosité de l'autre. Il allait vers l'autre, à sa découverte. Et c'était tout un éventail de pays
et de civilisations, parfois voisines et d'autres fois complètement autres. La lecture l'accompagnait toujours. D'ailleurs, pour lui, l'écriture et la lecture sont intimement liées. Il cultivait un amour singulier du livre et aussi un livre comme objet d'art. C'est en effet cet amour qui l'a poussé à faire beaucoup de beaux livres avec des artistes, de grands artistes renommés marocains, européens, américains et d'Asie. Je rappellerai en passant sa grande passion des arts, peinture, cinéma, théâtre, surtout le théâtre japonais, et sa passion pour la musique, particulièrement la musique classique, le jazz, le blues et la musique savante arabe. En permanence, il avait un sens aigu du devoir et une grande exigence dans le travail, d'abord vis-à-vis de lui-même et puis vis-à-vis des autres. Il avait un amour passionné de l'excellence et une répulsion presque physique, je dirais, de la médiocrité. Lui-même, d'une grande honnêteté intellectuelle, il ne tolérait pas la médiocrité sous toutes ses formes et condamnait l'imposture. Attentif aux voix authentiques et généreuses de nature, il tendait la main aux jeunes et encourageait leurs travaux, ceux dont il sentait le sérieux et l'originalité. Car il avait le don de voir, de détecter les prémices d'un talent en naissance, aussi de par sa vocation d'éducateur et de professeur. Si je devais donner un titre à ce témoignage, je l'appellerais « En permanence ». Car avec Feu Abdelkbir, tout était en constant renouvellement. Il n'y avait pas de fin, où chaque fin était un commencement et un recommencement. Il y veillait et avec insistance. Il était en permanence le chercheur, le quêteur et le guetteur. En permanence, le penseur. En permanence, il tendait l'oreille. Il avait lui extrêmement fine et était à l'écoute de tout, même du silence. Et nous avons le devoir et la mission, moi-même et ceux qui l'ont côtoyé de près et ses grands amis, nous avons le devoir de veiller à ce que son héritage, qui est un héritage immense, très varié et extrêmement précieux, soit véhiculé et activé en permanence. À cet égard, j'ai l'immense honneur et la joie d'annoncer la création de la Fondation Abdelkbir Khatebi, qui veillera sur l'intégralité de son héritage et à sa conservation, sa réédition et traduction, aussi bien qu'à son enrichissement avec des chercheurs sérieux, commentateurs experts de son œuvre. Ainsi, j'ai l'honneur et la grande joie de vous annoncer que ses amis, M. Adonis, M. Abdelkrim Benani, M. Abdelfattah Kilito, M. Colin Kobayashi, M. Sawad Anaou, M. Samuel Weber font partie du comité d'honneur de la Fondation Abdelkbir Khatebi, ce comité présidé par son ami M. André Azoulay. Comme disait si bien son cher ami et compagnon de dialogue Jacques Derrida, l'héritage n'est pas un don, mais une tâche, un labeur, un travail permanent. Et c'est à ce labeur et à ce travail permanent que nous allons nous livrer, sa famille et ses amis. Je vous remercie. Merci Amina pour ce témoignage très émouvant. Merci également d'annoncer qu'il y a la création de la Fondation. Et donc, nos inquiétudes sont pour l'instant rassurées, puisque tout ce que nous exprimions comme intranquillité au sujet de cet héritage khatebien à l'édition déjà, et puis dans la continuité des travaux qui seront faits, eh bien, la création de la Fondation
nous permet d'espérer le meilleur pour cet héritage. Alors, ça tombe très bien parce que la transition est tout à fait donnée, puisque la parole maintenant est à des doctorants qui, eux, sont justement les prochains sur la liste à assurer l'enseignement, à assurer la lecture de Khatebi. Alors, j'aimerais vous présenter deux doctorants qui vont faire une synthèse, non pas de ce qui a été dit, ils ne vont pas répéter tout ce qui a été dit depuis deux jours, mais plutôt exprimer leurs impressions par rapport à leurs ressentis de ces deux jours, comment eux, ils ont perçu ces choses-là. Alors, j'aimerais vous présenter Sabah Attab, qui est doctorante à la faculté des sciences humaines, voilà, des lettres Ibn Tufayl de Kenitra, et dont le sujet de thèse est « Les écrivaines marocaines, une prise de parole ». Et à ma gauche, il y a Rachid Sqri, qui est lui doctorant également à la faculté des lettres Ibn Tufayl. Donc, la faculté des lettres Ibn Tufayl est une faculté rayonnante. Et son sujet de thèse, c'est Yasmin Akhdra, ou la représentation de l'horreur, regard sur une actualité sanglante, de la femme au sang. Bon. Allez-y. Vous commencez ? Oui ? Mesdames et messieurs, éminents professeurs, honorables assistants, permettez-moi tout d'abord de féliciter le comité organisateur pour la tenue et le succès de ce colloque international, dédié à une figure emblématique, à un intellectuel devenu icône, à un passionné du verbe, à un poète dont l'âme, feu Abdelkibir Khatebi. Permettez-moi, messieurs, mesdames, de saluer l'engouement d'une femme, de l'être passionnée par une poétique oxymorique, Madame Assia Belhabib, qui, en veillant à l'organisation de cette commémoration, célèbre et perpétue une mémoire, un patrimoine, émerveillé par ce paradoxe dont l'écriture de Abdelkibir Khatebi, Madame Assia Belhabib, dit. Sa prolifique carrière apparaît comme le fruit d'un curieux mélange entre deux principes antagonistes. La sagesse et la folie. La première tient à la manière dont Abdelkibir Khatebi a très tôt construit son autonomie dans le paysage culturel marocain. La seconde tient à une originalité à toute épreuve, où aucune forme d'expression artistique n'est écartée, couplée d'une jouissance effrénée de la liberté ainsi conquise. Néanmoins, sa pensée se distingue par le sens de la mesure, le goût de l'analyse. Là réside sans doute le secret de son art comme la promesse de sa longévité. Fin de citation de Madame Assia Belhabib. Écoute cette phrase, demande Khatebi à son ami Azdin Ktsani Idlissi, lors d'une promenade à Rabat. Je suis né demain. Je suis né demain. Voici donc, messieurs, mesdames, une phrase concise, au premier abord déroutante. Toutefois, elle souligne justement cette intranquillité, un souci pour la postérité de son œuvre. Il est né demain, grâce au lecteur, à qui il passe le témoin pour que continue la course. En effet, messieurs, mesdames, la question de la succession, de l'héritage, de la pensée khatibienne constituait l'une de ses préoccupations. Et, bien sûr, et le lecteur constitue la pierre angulaire de son édifice,
Khatibi est l'un des auteurs qui écrivent avec l'ombre du lecteur comme compagnie. Il n'a cessé d'évoquer la question quasi fusionnelle entre un auteur et son lecteur. À ce sujet, Khatibi explique. Lorsqu'on écrit plusieurs récits, l'un dissimule les autres. Il les obscurcit même. Entre la mémoire et l'oubli, il y a comme une guerre intraitable. Il y a des livres que la postérité enterre de leur belle mort, d'autres qui sont oubliés. L'écrivain rature l'image de sa mort pour laisser des signes aux vivants. C'est au dire au lecteur imaginé par lui et par d'autres écrivains. On ne peut parler de sa propre mort. On ne peut parler que de la mort des autres et son souvenir en silence. Cette transcription de la mort des autres intrigue beaucoup les écrivains, d'autant plus que lorsqu'on écrit, dit M. Khatibi, on veut transmettre de la vie, de la greffer sur le corps du lecteur et sur son imaginaire. C'est un don, une offrande. Khatibi évoque toujours la question de la solitude de l'écrivain, mais ce dernier, on dirait toujours réconforté, malgré tout, par une rencontre à venir avec un lecteur à inventer. Car le désir, dit le grand sociologue, car le désir ultime, absolu de l'écrivain et du penseur est une transmission de vie au lecteur, matériel et immatériel, une greffe de vie, un regard, un souffle, une blessure, une vérité excentrée. Peut-être qu'en regardant cet opuscule, exercice de témoignage, comme une grille de mots croisés, le lecteur sentirait qu'il est plus que partenaire et participe à ce jeu d'esprit. Il perpétue la vie, la mémoire et l'oubli. Messieurs, mesdames, donc pardonnez-moi juste de vous citer une question, justement. Cette question, messieurs, dames, a été posée par M. Bencher. À M. Khatibi, Feu Khatibi, lors d'un colloque international tenu en 1992, et le romancier a toujours à l'esprit justement le lecteur, son allié silencieux, son associé, le chaînon, sans lequel le puzzle est certainement en faillite. Et je vais lire juste une partie, justement. Voici la question d'abord de monsieur Bencher. Croyez-vous qu'une véritable réflexion sur l'écriture soit en œuvre dans le roman maghrébin en général et marocain en particulier? Feu Khatibi répond. Je vais prendre juste une partie de sa réponse. Alors, je dois avouer que ma passion aussi consiste à inventer le lecteur. Qu'est-ce que ça veut dire inventer le lecteur? Simplement, le transplanter en lui, greffer sur lui une partie de notre vie en tant qu'écrivain, n'est-ce pas? Il y a un passage, il y a un désir profond. On accuse souvent les artistes d'être narcissiques, mais ils le sont, mais il faut qu'ils s'aiment suffisamment pour pouvoir transmettre la vie aux autres. C'est comme la transmission. Donc, de l'écrivain au lecteur, il y a un secret de transmission. Fin de réponse de Feu Khatibi. Messieurs, mesdames, j'ai choisi de parler justement donc de ce côté-là du lecteur, justement en écho au titre, bien sûr, à la thématique qui est l'héritage. Et je voudrais aussi, bien entendu, moi en tant qu'enseignante, parler aussi au ministère de l'enseignement. Parce que, justement, l'héritage, c'est aussi chez nos élèves. Parce que, bien sûr, donc, la lecture des œuvres marocaines sont totalement absentes, sauf, bien entendu, une seule, qui est celle, bien sûr, donc, de M. Ahmed Safarawi en baccalauréat. Donc, ce que, bien sûr, donc, mon grand souhait, ce sera ça. C'est-à-dire, bien sûr, mettre des œuvres, bien sûr, des écrivains éminents marocains, tels, bien sûr, donc, Feu Khatibi, dont le
programme, dans le programme national. Bien entendu, il y a aussi d'autres écrivains qui sont avec moi et que je suis ravie de voir, et bien entendu, dont le nom aussi doit, et les écrits aussi doivent figurer dans le programme national. Là, je parle bien sûr à M. Youssef Lalaoui qui est avec nous. Donc, ce sont nos élèves qui sont les vrais héritages et qui vont bien sûr perpétuer justement dans le patrimoine littéraire et intellectuel marocain. Merci beaucoup. Vous avez éteint ? Non, pas encore. Allez. Alors, mesdames, messieurs, bonjour. J'ai dû dire à vous le témoin. À mon tour donc de remercier l'Académie du Royaume du Maroc et aussi les organisateurs de ce colloque qui est dédié à la mémoire de Feu Khatibi. L'hommage qu'on lui rend à travers cette rencontre culturelle est à la fois un geste de reconnaissance et de gratitude à l'égard de ce grand homme. J'allais dire tout à l'heure, j'ai prévu de parler de ce souci. C'est aussi une traduction et l'expression d'un souci que l'on se fait pour l'héritage qu'il nous a légué. Mais grâce à Mme Khatibi qui nous a rassuré tout à l'heure, donc il n'y a pas lieu d'en parler. Je sais qu'on est à deux doigts de clôturer cette rencontre qui aura duré pendant trois bonnes journées, riche en termes de communication, de partage et d'échange. Alors aussi, vais-je être bref et concis. Le fait d'assister à ce colloque, intéressant à tout point de vue, de me retrouver au beau milieu de ce cénacle de chercheurs et d'intellectuels émérites, m'honore et me procure énormément de plaisir. Cet honneur et ce plaisir sont d'autant plus grands, d'autant profondément ressentis, que l'on nous accorde à nous doctorants le droit, le privilège de prendre la parole. J'en profite pour remercier encore une fois les organisateurs pour cette généreuse initiative. Cette expérience profitable pour le doctorant que je suis requiert de la valeur dans la mesure où elle constitue une formation en soi, sachant que la participation au colloque devient de plus en plus partie prenante et intégrante des études doctorales. Alors, pendant les trois journées de cette rencontre que j'ai pu suivre presque de bout en bout, en assistant à une belle palette de communications qui sont aussi intéressantes et aussi enrichissantes les unes que les autres, des communications où l'on a tenté de cerner approximativement les fragments épars d'une pensée protéiforme, aussi protéiforme et aussi kaléidoscopique que celle de Khatibi, j'ai pu en effet apprendre beaucoup de choses sur cette figure tutélaire de la pensée et de la culture d'abord marocaine, mais dont le rayonnement et l'intérêt dépassent son transfrontalier, pour en prendre un mot que j'ai déjà entendu dire hier, je crois. Je me permets ici, dans un élan de franchise, d'épancher devant, et là je vais un peu vous décevoir peut-être, d'épancher devant vous le sentiment d'inconfort et de malaise qui m'ont envahi au moment où mes directeurs de thèse m'ont informé que j'allais prendre la parole dans ce colloque. Je me dois d'avouer devant vous que la première question qui m'est venue de manière ex abrupto est la suivante. Que sais-je en fait de Khatibi ? Sans chercher à tergiverser, je vous le dis tout de suite, peu de choses. Mon idée de Khatibi, qui est au demeurant très sommaire, remonte à mes années de faculté, et plus particulièrement à la troisième année, où l'on avait la mémoire tatouée au programme. Alors, le souvenir que je garde de ce monsieur, de cet écrivain, est celui d'un auteur pratiquement difficile, insaisissable et même un peu rebutant pour l'étudiant que j'étais. Cette impression a fait que, des années durant, il ne m'est jamais venu à l'esprit de lire Khatibi.
malheureusement. Hein. J'ai eu tort, mais c'est comme ça. En ayant donc vent de ce colloque qui vient tomber justement à propos et à défaut de pouvoir lire son œuvre, je me suis immédiatement rabattu sur la lecture de quelques documents critiques dans l'espoir de me former une petite idée plus ou moins générale sur l'auteur. Des documents tels que ce deuxième numéro de Proculture consacré à Khatebi et d'autres documents que j'ai glanés un peu ça et là et que j'ai pu réunir dans ce fascicule. Donc, au fur et à mesure que j'égrenais ces documents et que j'avançais dans ma lecture, je me suis ravisé à quel point j'étais dans l'erreur, au point de m'en vouloir, de m'être passé sans m'en apercevoir à côté d'un si grand homme et si grand penseur. En écoutant ensuite, lors de ce colloque, les différentes interventions allant de Madame Assia Abdelhabib sur l'intranquillité du sens à celle de M. Mustapha Bencher sur le cheminement d'un résistant pacifique, en passant par des communications sur la singularité de la parole autobiographique chez l'auteur, sur la dimension psychanalytique, philosophique, et sur l'apport sociologique de cet écrivain, sur également sa finesse et sa subtilité de poète, les échos que se font ses récits et ses écrits sur les arts visuels, le traitement innovant aussi qu'il fait de certains concepts tels que la tolérance, lesquels concepts, demande à être, selon M. Mohamed Mishir, à être consigné dans un glossaire. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Donc, sur beaucoup d'autres aspects de cette écriture khatibienne, je réalise à présent le pourquoi de cette difficulté que j'ai éprouvée à l'époque où j'étais à la fac en abordant le texte de cet auteur. C'est pour vous dire tout simplement que ce colloque est venu tout bonnement apporter une réponse à cet embarras et à cet inconfort que j'ai ressenti il y a plusieurs années de là, devant Khatibi. Je comprends à présent, et malheureusement sur le tard, que ce qui m'a repoussé en Khatibi, ce qui me l'a rendu inabordable, ce n'était pas et ce n'était point son texte, mais plutôt le lecteur pressé que j'étais. Et que Khatibi, comme l'a bien rappelé Madame Assia, dans sa communication, Khatibi n'écrivait pas pour ceux qui sont pressés. Je comprends maintenant que pour espérer comprendre ce poète-penseur, il faut s'armer de patience et prendre le temps qu'il faudra pour méditer un mot, un concept, être à la fois en constante alerte et en même temps savoir lâcher prise pour se laisser bercer au gré de sa poésie. Prendre le plaisir de s'aventurer sur les eaux lustrales de sa double critique qui nous conduit vers une liberté engagée et nous éloigne de l'identité aveugle et de la différence sauvage. Je tiens donc à finir cette espèce de mea culpa par dire pardon à Khatibi et par vous dire, à vous, merci pour ce colloque qui me réconcilie avec lui et me donne non seulement l'envie, mais aussi la ferme résolution de le redécouvrir. Merci. Merci, je suis définitivement rassurée. La relève est assurée. Alors, s'il vous plaît, un dernier mot sera prononcé rapidement. Il faut nous rejoindre, c'est Almjid Benjelloun, qui est... Je vais oui. Je suis désarçonné parce que... Je les ai laissés dans mon cartable. D'abord l'homme.
Moi, j'aurais voulu lui poser cette question. Qu'est-ce qui compte le plus chez toi, c'est Abdelkader ? La vie ou l'œuvre ? Je m'arrête là. L'homme était... Je vous assure, il est très, le moi est haïssable. Témoigner sur quelqu'un suppose qu'on va parler d'abord de soi-même. Parce que je ne suis pas une machine. Je témoigne parce que je témoigne sur des rapports. Donc, comment témoigner, comment parler de Serge Kabir sans parler de moi? C'est extrêmement difficile. Nous avons entrepris, je vous assure, une multitude d'entreprises communes dont je ne vais pas parler. Peut-être je vais parler très brièvement des deux dernières en réponse à Sifsi. Une anecdote, et Dieu sait si l'anecdote n'est pas détestée par les hommes de plume. L'homme était tellement affable, je vous assure qu'en 35 ou 40 ans de rapport d'amitié privilégiée, je ne l'ai jamais entendu dire du mal de quiconque, même de ceux qui le méritaient. Et un jour, en parlant de quelqu'un qui le méritait, et qui est un très grand intellectuel, non, mais je ne dis pas de... Non, je vous assure que personne... Dieu reconnaîtra les siens, mais Dieu ne... Non, je vous assure que cette personne qui est toujours vivant, qui est un très grand intellectuel, je suis allé, on en parlait comme ça à bâton rompu, et je l'ai évoqué. Et sa façon de parler de lui, au lieu de me dire qu'il est ceci, cela, il m'a dit, est-ce qu'il ne t'a pas donné un conseil ? C'était une manière à lui de le critiquer, alors qu'il avait toutes les raisons du monde de le critiquer. Et là, je ne le citerai pas. Abdelkader Khatebi, je vous assure, je ne suis pas en train de lancer des critiques aux organisateurs. Tout à l'heure, je disais, vous êtes fatigué, je le suis. Ça, je tiens à le dire, parce que vous voyez que c'est désordonné. Je me suis retourné vers mon ami Youssef, je lui ai dit, nous sommes tous épuisés, je vais parler en dernier. 7 heures de silence m'ont épuisé aussi. Donc vous êtes épuisé, je vous jure, 7 heures de silence ou 8 m'ont aussi épuisé. Donc moi aussi, je suis fatigué. Tu ne veux pas nous épuiser davantage. Alors, je continue. Je continue. On redémarre. Allah khalikoum, un peu de patience. Abdelkader Khatebi a commencé sa vie, je vous assure, ce n'est pas une boutade. Abdelkader Khatebi a commencé sa vie en sociologue. Il l'a terminé en sociologue, je vous le jure. Quelques jours, Madame Amina Alaoui peut en témoigner. Je vous assure que la dernière séance de travail que j'ai tenue avec lui, c'était au Cheikh Zayed, et nous avions parlé du rapport du social. Alors voilà un élément qui est importantissime dans sa vie. Ce n'est pas une boutade, je répète. Et là, pour le rapport du social. Alors, écoutez-moi bien. Et là, je vais répondre à M. Ben Slema. Pour le rapport du social, vous savez qu'il a hérité du bulletin économique et social, qu'il aurait pu s'arrêter là, continuer à produire un numéro. Mais il a produit le rapport du social. Je vous assure qu'il s'est entouré. Et moi, il m'a fait l'honneur parce que... Je ne vais pas parler de moi. Il s'est entouré des meilleurs spécialistes en démographie pour traiter d'un sujet crucial, et c'était un numéro par an. Et on en a parlé quelques jours avant sa mort. Donc, je répète, il a commencé comme sociologue, il a terminé comme sociologue. Ça, c'est un élément important. Alors il y a un autre, je pense que je vais terminer par là. Parce qu'il y a la fondation. La fondation va démarrer et il y a une invitation à produire, continuer dans le cadre. Ah, ça c'est magnifique. Je pense que... Là, alhamdoulilah, moi j'en suis heureux, grâce à Dieu. Tout à l'heure, Sifti, moi, comme ça, de manière impolie, j'ai interrompu notre ami et je lui ai dit que si les traductions en arabe se sont arrêtées, c'est parce que il est mort. Et Sifti a dit très justement, mais oui, mais le dernier roman publié, c'est 2003, alors qu'il est mort en 2009. Mais l'explication est archi simple. Parce que, moi je vais vous dire une chose, c'est que M. Abdelkader Khatebi était écrivain. C'est-à-dire que l'idée qu'on se fait d'Abdelkader Khatebi, c'est le romancier, c'est le poète, etc. Mais on oublie deux aspects fondamentaux de sa vie, à savoir ce que j'ai déjà dit à propos de son statut de sociologue. Mais il y a aussi autre chose.
Donc, il y avait le rapport du social qui le prenait, je vous assure que ce sont des centaines d'heures. Et Ben Smaïl, je pourrais. La manière dont Akbir Khatibi dirigeait ces réunions et comment on finissait par pendre chaque année le rapport du social, je vous assure que c'était un délice intellectuel. Avec de sa voix douce, qui venait avec un papier manuscrit et avec les économistes, des sociologues. Mais il y avait un autre élément qui a fait que ces traductions se sont interrompues en 2003. C'est qu'en 2004, précisément, il a créé la section marocaine de peine internationale. Et cela, donc, si vous prenez le rapport du social, vous ajoutez ces activités aux peines internationales, alors vous devinez que... Qu'est-ce qu'il a eu je ne vais pas révéler de ses secrets. Malheureusement, la vie est un misérable de petits secrets, parce que je vais révéler... Ça n'a aucun sens. C'est que, entre-temps, en 90, il a sorti... Et là, vous voyez le désordre. En 1990, comme il a sorti l'alternance des partis politiques, et là, vous voyez que je reviens en arrière, pardonnez-moi. Je vous ai dit que mon propos va être désordonné. Je te rejoins tout à fait. Parce que le rapport du... Parce que Abdelkbir Khatibi, et ça, je tiens à le dire, je pense que je vais conclure avec ça. Parce que tu as soulevé, Sim Safa, tout à l'heure, une question importantissime. Ce que Abdelkbir Khatibi, un, a vécu au Maroc. Un. Deuxièmement, c'était un homme libre. Je ne dirais pas un homme de gauche. C'était un homme libre. Et il fallait avoir être doté d'une sacrée habileté pour ne pas s'attirer des ennuis. On était en plein dans les années de plan. Alors ce que tu as dit tout à l'heure à propos de l'écoute de l'autre, de la tolérance, mais lui, moi je me souviens parfaitement, parce que moi je ne vous cache pas que j'ai eu le privilège, pardon de le dire, moi j'ai eu le privilège de lire le livre avant sa parution. Okay. L'alternance et les partis politiques. Et je puis vous assurer que nous avons eu, c'est un petit secret, rien du tout, mais Abdelkbir Khatibi, ayant vécu au Maroc, dans un Maroc où les libertés étaient au plus mal, c'était vraiment un tour de force. Alors, ça c'est le sujet d'un autre colloque, tu as abordé le problème, mais Abdelkbir Khatibi avait cette habileté que personnellement je lui enviais, parce que c'était un homme public, donc qui pouvait s'exprimer, mais il a réussi à tirer les marrons du feu, et ça c'était pas... Il y a des intellectuels qui ont payé, vraiment, c'est ça, c'est Mustapha. Donc je te rejoins tout à fait. Les raisons pour lesquelles c'était un homme, ça c'est le sujet d'un autre colloque, modéré, d'aucuns, des critiques diraient qu'il est opportuniste ou d'autres, etc. Voilà. Alors, je voudrais faire une annonce. Ce que vous avez eu le plaisir d'écouter pendant 2 jours, vous aurez la joie de le lire pour les jours à venir. Et donc, j'en appelle à la volonté indéfectible de nos orateurs pour nous remettre leurs textes précieux dans un délai relativement court, puisque vos textes sont déjà très, très bien avancés. Je crois qu'une date butoir s'impose, et avec le printemps, avril me semble un très beau mois. Je vais terminer en disant 2 choses. En écoutant tout ce que j'ai écouté, et en vous voyant parler et en ayant eu le plaisir de faire la connaissance d'un grand nombre de personnes, encore 10 ans après le décès de Khatibi, j'ai pensé à un terme que je me permets d'inventer. Khatibi, finalement, c'était un rencontreur. Voilà. Il nous a permis de nous rencontrer au fil des rencontres. C'est plus qu'un médiateur, c'est vraiment quelque chose, en nous laissant notre liberté de penser à chacun. Et puis voilà, ah oui, et la deuxième chose, ce colloque n'aurait pas été possible
Et vraiment pas. J'ai bien entendu tout ce qui m'a été gentiment adressé. Mais ce colloque n'aurait pas été possible sans le soutien de l'Académie qui était là. J'aimerais remercier la personne qui est ici présente, Madame Huda Shogak, qui c'est elle qui était en interface avec les participants. C'est elle qui a veillé à votre confort de bout en bout. Et également remercier la cheville ouvrière, le principal collaborateur de monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur Bachir Tameux, qui n'est pas là parce qu'il a été appelé par des occupations extrêmement importantes. Monsieur le secrétaire perpétuel vous fait son amitié, lui-même est venu pour participer à la fin de ce colloque et à la clôture, mais là encore, il a un métier, je dois dire, difficile, on peut le constater, puisqu'il est appelé à n'importe quel moment. Et mon amitié la plus précieuse pour les membres du comité d'organisation et donc du comité scientifique, et les deux compères qui sont là depuis le début, le professeur Mustapha Bencher et le docteur Jalil Bennani. Merci à toutes et à tous.